bientôt lancer la race, en rappelant bien sûr qu'ils vont faire une race avec Maggie. Maggie, mais qui a que 4 cœurs rouges, l'activable Yamhart, qu'ils devront conserver du début à la fin. Mais pendant la run, ils peuvent échanger l'activable en cours de route, mais à condition ensuite de garder l'activable Yamhart À la fin de jusqu'au bout de la l'étage. vie. Voilà. Et évidemment, Maggie a la pilule. Elle commence avec Speed up. une pilule qui donne obligatoirement du speed up. Et du coup, sans plus tarder, on va lancer le décompte. 3, 2, 1, go! Lancez les vachettes! Allez, c'est Interville. Allez, Gilux, ça va bientôt être parti. Allez, c'est parti du côté de chez Malfried et Ouais, pareil du pour côté de chez moi. Tomanto, de 3 secondes d'écart. Alors, hop, je vais faire un petit post-pêche chez Tomanto du coup. Ah, c'est dommage pour Malfried. Enfin, c'est dommage du côté de chez Tomanto, pardon. Il Ah. y avait le D6, mais s'il avait reroll l'activable, il aurait été disqualifié. Eh ouais, c'est con. Un des six qui sert à rien sur ce run. Eh oui. Ah, parfait, je les ai parfaitement synchronisés tous les deux. Pile poil 31 secondes en même temps. C'est beau. Du coup, j'ai fait un pause play, mais du coup, il y a Ouais, 5 j'ai une synchro parfaite secondes. entre les deux, moi. Attends, t'as un synchro parfait, attends. Ah non, moi j'ai toujours 3 3 secondes secondes. d'écart entre les deux. Moi, je suis à 52, 53, 54. 54, 55 chez Tomanto. Oh, Jacob's Ladder chez Molfried. Ah, un start assez polémique, il faut voir ce que va Voilà, et moi, donner. je le trouve quand même relativement puissant, hein, parce que les lasers sont un petit peu homing. Ils sont un peu homing, ça fait juste la moitié des dégâts. Enfin, les lasers font la moitié des dégâts de l'alarme. Mais Ouais, bon, c'est quand même c'est. relativement puissant. Un cricket's body ou un tears up, et c'est la fête du slip. Hein. Effectivement, mais reste à savoir si Mulfried va l'obtenir du coup par la C'est ça. suite. Allez, le premier Oh. boss de chez Mulfried, Larry, normalement ça Oh, ça gratuit va, ça pose pas de problème. avec le Jack of the Ladder. Voilà, c'est bon, il s'est fait dégommer de cul et ça C'est lui a ça. donné C'est Jesus total. Juice. Du dégât et de la range. Étant toujours rien. Ah, dommage, chez Malfred, il y a rocher marqué, pas de Ouais, non, bombe. pas de bombe. Par contre, il a la clé pour voir ce qu'il peut obtenir dans sa salle de trésor. On verra ça dans Oh, quelques Molfried secondes. qui fait les abats moldaves, qui ça marche pas. Ah non, pas à travers les rochers. Et Malfred a de la chance, Ah, il a trouvé deux objets. ouais, il en prend qu'un. C'est vrai que le petit fantôme est pas. Ben, c'est vrai que Hoshi, c'est généralement synonyme de Hoshiotte, donc on C'est va pas le ça. prendre. Et ça va chercher les cœurs bleus. Et voilà, là, Niveau Mulfried vie, est très Molfried est plutôt pas serein. mal. Ah, Effectivement. The Wafer chez Tomanto. Va-t-il trouver une Sacrifice Room? Bien sûr que non, Non, et il ça a non. décidé de reset. Le boss chez Molfried. Ça va, ça se suit. Start Halo. Non, il n'a pas Start Halo. Ah, la Black Rune. Pour Void, un item de boss ou de shop peut être Ah, utile. désolé les gars pour les commentaires, mais bon, étant donné que Mulfried stream en même temps, on va pas lui demander de retarder un peu l'échéance. Donc du coup, on va essayer de décaler nos commentaires de 15 secondes. On va essayer de faire de Ah. notre mieux. Ah, d'accord, ok, on est en avance. Désolé. On va reculer un petit Désolé. peu. Voilà, on va juste attendre quelques secondes en plus. Alors, putain, Tomanto qui a toujours pas start, hein. Et C'est du coup, compliqué. le Devil Deal de chez Malfried sera tout simplement L'île Brimstone. à l'île Brimstone. Pourquoi Et un pas? safety pin en objet de boss. Il y a 2 ou 3 secondes. Ok, merci Titis. Donc du coup, Oh Malfried bah ouais, est à voilà, ça Cave va. the One.
Blood of the Martyr, il se part toujours par... Oh là là, Léo, il va finir par faire une arnaque moldave si ça continue. Non. Là, sur ce non. coup, bah, Molfried ne... Picky Cheers, non. Ah, bon, bah, Molfried a décidé d'utiliser la Black Rune pour... C'est très bien. Il pour a son activable, tant qu'à faire. Du Tears Up et du dégât. Voilà. Une bonne opération. Très très bonne nouvelle. Et par contre, dans le magasin, dommage. Ouais. Puisque oh, c'était ouais, un magasin où il n'y avait que du reroll. La déchéance d'un homme, quoi. Bah, du côté de chez Toronto, on est déjà à 4 minutes 45. Et il se passe rien. Toujours rien. Par contre, le boss chez Malfrid, c'est dégueulasse. Big Horn et Lil Horn jaune en plus. C'est ça, un des pires. Malheureusement. Mais dans l'ensemble... Oh, ça va bien se passer. Jacob Ladder qui fait son taf. Ça s'est bien passé, mais le souci, c'est que ça lui donnait un objet de merde. Les talons aiguilles de maman. De la range. C'est ouais, pas vraiment ce qu'on recherche. C'est pas vraiment ce qu'il a besoin pour l'instant. Ah non, quand c'est comme ça, il faut toujours du dégât ou du tir zap. Et ton manteau qui a toujours pas start. 5 minutes 30, toujours rien. Ça va devenir compliqué là. Hein. Deadeye, très très compliqué. Est-ce qu'il va starter Deadeye? Il start Deadeye. Bah, faute de grive, hein, on mange des merles. Merle. Voilà. C'est pas un mauvais item. Hein, c'est. Non, loin de là, mais il faut bien savoir augmenter ce build en partant Deadeye. Et finalement... Oh, Molfried, qui est dégoûté. Qui a raté un petit Daddy Longlegs. C'est pas si important que ça. Ouais, ça fait du bon dommage sur les boss. Hein. Oui, ça fait de bons dégâts, certes, mais ça prend du temps à ce que le pied de papa écrase les mobs ou les boss. C'est pour ça qu'il aurait préféré quelque chose d'un peu mieux. Ça, là, c'est la recharge qui est longue. Voilà. Ça lui permet d'avoir quelques dégâts supplémentaires. Et la tristitude chez Toronto. Vraiment rien de rien. Il va falloir qu'il starte, même s'il starte un truc pourri, mais il va falloir qu'il starte. Ah, donc, quand c'est vraiment du retard, mieux vaut que starter quelque chose qui est de la pêche. Et du côté de chez Malfried, les boss se sont fait ratatiner la gueule. Et les Devil Deal. Ouais, c'est la pièce de papa, je crois, ou une connerie comme ça. En objet de boss, oui, c'est bien la pièce de papa, mais en objet de Devil Deal, il avait eu soit Contract from Below ou bien soit le Necronomicon, il a décidé d'en prendre aucun. Je pense qu'il a bien fait. Ouais. Oui, sacrifier un cœur pour le Contract from Below, honnêtement, ouais, non, pas ça ne vaut pas le coup. 7 minutes 30. Toujours rien du côté de chez Toronto. Oui, Sir Deck, tout à fait. C'est ici le sel pour ton manteau. Oui, à ce niveau-là, oui. c'est pas un pot de sel qu'il lui faut, hein, c'est un étang. Ah non, non, là, le jeu est vraiment salaud de ce côté-là. Là, c'est complètement sale, hein, j'avoue, là. Ah, par contre, là, pour ton manteau, poli, ça un se start. Un petit Polyphemus. Tirate qui en prend un sale coup, mais par contre, on prend un gros boost de dégâts. Et il a enfin utilisé sa pilule. Polyphemus, hein, on rappelle, qui passe à travers les ennemis et qui perd du dégât en passant à travers les ennemis. Mais attention avec Poly, surtout avec Dr. Fetus, parce que c'est une synergie assez bizarre. Ouais, d'ailleurs, je l'ai encore jamais eu cette synergie-là, je dois avouer. La synergie Poly-Dr. Fetus, je vais te le dire, c'est que tu lances une bombe, ça explose et ça en laisse encore une autre. D'accord. Donc c'est un truc bien si jamais tu veux. Si t'as pas de cul, quoi.
Ouais, donc du coup, si jamais tu veux bomber les portes, bah t'es dans la merde, hein, puisque il y a une deuxième bombe qui apparaît juste à côté, il faudra faire gaffe. Et on peut remarquer du côté de chez Mulfried, dans son objet de dans sa treasure room de Depth One, le number one. Très très bonne nouvelle avec son Jacob's Voilà. Ladder. Étonné qu'il avait déjà une bonne range, c'est pas grave qu'il l'ait pris. Au Voilà. contraire, C'est ce qu'il y il est avait de direct mieux max. pour lui. Donc ouais, c'est très bonne nouvelle. Bon, il manque un peu de dégâts quand même dans l'histoire, mais bon, Jacob's Ladder fait le taf. Effectivement. Et le Porte boss manteau. du côté de chez Mulfried, le monstre 2 qui va passer relativement un sale quart Ouais, d'heure ça américain, le c'est. voilà, Oh là il est là. mort. Tomanto qui full clear alors qu'il n'en est qu'à son deuxième étage. Et le monstre 2 qui lui a donné de la pâtée pour chien, de la santé en plus pour Mulfried, pourquoi pas. Allez, ça bourre la machine. Un bon objet pour Tomanto dans sa treasure room de Basement 2, Holy Light. C'est une très bonne synergie avec Polyphemus. Oui, ça fait des gros dégâts quand ça proc. Effectivement. Et ça serait bien d'avoir un peu plus de luck, histoire qu'il proc un peu plus souvent. Attention Bon, à ça va, Pin, héros, c'est bon, normalement. il est mort. Le pin. Oh, oui, et le Devil Deal. Beau Devil Deal aussi. Ah, Devil Deal, pas mal, Il puisque. le prend, il a raison, hein. Un beau Devil Deal. Le Dark Bum qui va lui donner des cœurs. Ou de temps en temps une araignée troll, ça peut arriver. Donc voilà, va falloir qu'il fasse Et gaffe. 9 vies par contre. Plutôt une bonne nouvelle. Voilà, Polyphemus, il fait mal. Il fait très très mal. Ça fait très très mal, c'est très bien. Le Il a trouvé un demi-cœur. demi-cœur éternel dans sa salle de sacrifice. Ça va bien se Ça passer. va bien se passer. Là, Toronto est parti sur des bases bien solides. Tout à fait, Technofist. Le meilleur starter, c'est Adèle. On le dira jamais assez. Ça carry toutes les games. Évidemment, avec Abel, la vie est belle. Et Mulfried qui a trouvé le pied de maman et qui l'affronte en ce moment même. Et c'est quoi? C'est une môme normale ou c'est une môme bleue qu'il C'est a? une môme bleue. Et Tomanto qui a une bonne combo puisque il a récolté Chad, Little enfin Chad Lil Chad donne des cœurs bleus. des cœurs Des cœurs rouges. bleus, des cœurs rouges, pardon. Et derrière, donc, le Dark Bum qui va les manger en chaîne. C'est plutôt une Voilà. bonne nouvelle. Allez, Mulfried qui a bien pris le Mulfried. Polaroid. Hop, tout va bien. Il va voir le boss rush. Rien d'intéressant. Non, et de toute façon, il ne pouvait pas sortir du boss rush de toute manière. À cause de la condition activable. Et ça y est, Mulfried est arrivé à Room 1. Et de son côté, Toronto est à Cave 2. Mais rien n'est joué, loin de là. Même si Mulfried a une très bonne avance de un bon DPS et de la vie, on va quand même se méfier. Alors Et un du coup, Ragman, oh un double Ragman chez un double Tomanto. Ragman jaune. Oh là là, oh, ouais, oh le Holy Light qui fait tellement mal. Oh que oui, c'est une très bonne C'est. Oh là combo. là. Attention les Oh la touches. petite touche, quel dommage. Et encore une autre bonne nouvelle pour Tomanto, Ouais. puisque les Ragman ne lui donnent Growth Hormones. Du speed. Très Du bonne nouvelle speed le et du speed. dégât. Pour le dégât au point où il en est, c'est plus trop trop grave. Mais le speed, par contre, ça va permettre d'aller. Un peu plus vite. Voilà, de salle en salle. Bah, surtout avec Maggie, Ah la ouais, camionneuse, il en faut. Hein. Il en faut. évidemment. Allez, la salle d'objets tout de suite Ah, la là. salle d'objets, il ne peut pas prendre, c'est activable, Corpse mais of il a Spider, utilisé, ouais. il a le droit. Un item qu'on utilise assez peu souvent finalement. Hein. Non, effectivement, c'est pas un objet forcément intéressant, sauf si on veut avoir la transformation en araignée. C'est ça.
Et du coup, ton manteau est à Depth One. Et Molfrid se perd toujours dans les Dans le Womb One. méandres de Womb One. Womb One? Ouais, Womb One, ouais, toujours. Oh là là. C'est l'horreur. Ah, de la luck. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ton manteau. Il a piffé toutes les cartes. Et ça y est, il est enfin devant sa salle de boss. Vas-y donc, pas trop tôt. Ah, ce fut bien labyrinthique. Qu'est-ce qu'il est lent, Molfrid? Il a pas pris un speed up, je crois, hein, du début. Et non, il a toujours la vitesse normale avec la pilule, évidemment. Donc il est toujours à 1 vitesse et le boss de Womb One, le boss de la chiantise absolue, c'est le ça. Larry du jeu, Trollex. C'est une vraie purge quand on n'a pas de chance. Oui, quand il veut pas montrer son petit cucu, il fait un peu chier. Mais bon, ça s'est bien passé. Heureusement qu'à Jacob Ladder hein, quand même. Oh. Et un Nail. En Devil Deal. Il a juste utilisé, mais il ne pourra pas le prendre. Et il a décidé de prendre quand même Milouz. Little Steven, c'est dire à quel point il est un peu désespéré. La Tomanto qui a raté un cœur noir, il me semble. Ah non, c'est bon, il est allé les chercher. Bah, vu ses cœurs, là, franchement, je pense qu'il n'en a pas forcément besoin. Il est quand même allé les chercher, ouais, non, il passe. Mais ça y est, il est devant sa salle de boss qui sera. Brownie, il est temps de lui faire démouler le cake. Le plus dur dans ce boss là, c'est tous les petits caca qui pop. Ouais, et le souci, c'est que là. Le souci, c'est que là, Polly est pour le moins assez inefficace contre Brownie. C'est ça. Et vous ça, avez ça vu. Ça se passe pas trop mal. Mais c'est quand même pris beaucoup de touches. Ouais. Heureusement qu'il avait des cœurs bleus en pagaille. Alors, l'objet de merde polydactyli qui lui donne encore une 4 impress. Et. Oh, bah, c'est dommage, le Mega Blast. Il ne pourra pas utiliser. C'est la merditude. C'est dommage pour ton Anto. Mega Blast, qu'on le rappelle, hein, l'objet du speedrun, hein, bien évidemment. Ouais, et surtout que si la condition n'était pas activable, évidemment, il l'aurait pris. Ça permet de clearer ça à la grande vitesse. Bah, ça a clairé ça à la grande vitesse, et surtout que les dégâts de Mega Blast sont capés sur les larmes normales. Alors, avec un poli, je te laisse imaginer le plaisir ça, que ça aurait pu monstrueux. Procurer. Les boss font pas à long feu. S'il meurt, il revient pas en bébé bleu, papa abonné, il revient en Maggie. Oui, parce que c'est le 4 hein, qui a, c'est le Dead 4. Hein, donc, ouais, c'est le Dead 4. Il revient avec un cœur rouge. Ouais, que un seul cœur rouge, le Dead 4, évidemment. Donc, c'est dommage. Essaye. Et Molfrid, de son côté, a enfin trouvé Eclipse et il l'affronte. Et de son côté, Toronto a trouvé Mumsfoot. Donc, deux étages d'écart. Et Mom qui veut pas du tout tomber. Une feignasse. Elle fait sa satnie touche, mais elle a pas touché grand chose avec son pied. Qu'il ait des larmes qui rebondissent de temps en temps. C'est quoi qui fait ça? C'est sa babiole. C'est la boule qui rebondit. Et le Devil Deal de merde de Krampus avec évidemment, une Krampus. Il ne pourra pas le prendre. Ah. Un petit Proptosis hein, quand même dans le boss rush. Ouais, il aurait pu tenter, mais après le souci c'est qu'il aurait plus qu'un seul cœur rouge déjà. Avec le Dead Cat. On va passer qu'il proc pas mal de cœur rouge, hein. Ça aurait pu être peut-être jouable. Ah, c'est jouable, mais en attendant, Molfrid est dans sa cathédrale, alors c'est que ça. Tomanto est à Womb One. Donc il y a toujours deux étages d'écart. Papa Bonnet, dans ce cas précis, ils ne feront même pas l'effort de prendre le Blue Baby.
Parce que clairement, sur une mort aléatoire, on se retrouve avec une lose immédiate, tout simplement. Pas forcément, si tu gères bien les points de vie, les esquives, c'est bon, hein, en Blue Baby, ça n'a pas de souci, hein, mais mieux vaut une raise en Dark Judas, Oh en oui, non, Judas c'est sûr. Shadow. Et on peut remarquer que Malfrid bombe sa cathédrale à l'envi, étant donné que niveau bombe, il est Là, il est très bien bien. placé. Par contre, faut qu'il fasse attention, il a que 2 coeurs et demi. Et Et il a pas d'item, de trinket, de quoi que ce soit qui lui remet de la vie. Oh, un petit empereur pour Malfrid. oui, il a trouvé The Voilà, la Emperor. diagonale de l'angoisse. Un Diagonale flash bien big up. gérée. Il est devant sa salle de boss, C'est mais dans une beau. salle de merde avec plein de fantômes à la zob. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Attention, il reste plus que 2 coeurs. Attention. Attention, Malfrid. Il lui reste plus qu'un coeur. 2 coeurs maintenant avec Oh là l'utilisation là, d'Iron oh là Heart. là. La salle de merde juste avant. C'est chaud pour Malfrid. C'est chaud patate. Est-ce qu'il va backtrack pour essayer de trouver un cœur pour le cas où ou pas? Non, là il va essayer de trouver Une les super secrète, secrets. Il ouais. a Ouais, plein de si. bombes, il peut le faire. Ouais, il backtrack un peu quand même. Ça y est. Mais vaut jouer la certitude. Par contre, pas de chance. Il a trouvé la super secret, mais Et ça lui a donné un c'est bubblehead de un Wells. merde. C'est un penny. Le penny brûlant. Non, c'est C'est le plutôt le noir, c'est penny celui qui cramé. donne des petites bombes, je crois. Ouais, c'est le penny cramé. C'est ça. Et ça y est, Malfrid affronte Isaac. Il ne reste pas beaucoup de vie. Il va falloir bien Les gérer dégâts les sont pas mauvais esquives. quand même, hein. Attention, il ne reste plus qu'un cœur. Attention, Malfrid, Ouh là 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 attention. là là. C'est le danger. C'est le danger. Et c'est le décès! Oh non! Oh non! C'est le décès des plus pauvres, Aïe 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 Malfrid. aïe Il lui aïe reste plus aïe. que 9 minutes. À Va-t-il 9 minutes, ça va faire être compliqué. l'exploit? Franchement, je suis pas sûr. Un tomato, s'il joue Maintenant, la safeitude. voilà. Tomanto à l'information, il lui reste plus que 9 minutes pour essayer d'atteindre Le Blue Baby. le blue. Non, juste le chest. Non, Judas, Il oui, non, le chest. a juste à aller au chest et Tomanto peut l'emporter. du coup, il est quoi? Il est sur son bond 2 là. Ouais. Ouais, il a Womb 2 puisque son boss de Womb 1 c'était Trollex aussi. Alors, qu'est-ce que j'aime ton accent anglais quand tu dis Womb Ouais, j'aurais pu le faire un peu mieux d'ailleurs, Womb 2. Womb 2. Oui, c'est la meilleure prononciation possible. Et toujours des cul-de-sac, des Jean-Michel Lapasse C'est pour ça, Tomanto, mais il se fait oh la salle de mongoliser par des troll avec les pipiques. pics. Voilà, ce sont ces ennemis-là qui m'ont fait perdre tout à l'heure. Je me suis fait toucher de la même façon que Tomanto. Voilà, ça met les nerfs. Ah, ok, oui. Et du coup, ça y est, Ah, Tomanto Malfrid qui repart quand affronte. même sur un docteur fœtus. Il va tenter l'arnaque. Et s'il trouve IPK, alors là, c'est le méga GG pour lui. Hop, Ça ça y fait est. un tas de grammes. Comme si Très, on n'avait très pas assez bien. de dégâts. Mais du coup, Tomanto est dans ses cœurs bleus. Donc, si jamais il se fait toucher. Il y aura l'aura du Polar Red qui va s'activer et après il pourra taillader ses ennemis C'est avec la ça, sac il pourra d'ag. bourrer comme un con. Attention les toutouches. Ouais, je pense que la bonne idée c'est de laisser manger le Dark Bum. Ouais, Il est là il faut safe. laisser faire le Clodo et le Chad. Il va jouer ultra safe là, Tomanto. Bon, C'est ce ultra qu'il faut safe, faire. oui, mais il faut pas trop qu'il tarde quand même. Hein. Il a que 7 minutes devant lui. Bah, cette minute, c'est largement jouable dans la KT. Suffit d'une erreur à la con. Rien n'est jamais gagné d'avance sur Isaac. Oh que non. Oh là là, et Molfrid qui se fait troll par les méga fatis de pierre. Ah, ceux-là sont bien relous, effectivement. Heureusement qu'ils font pas de dégâts parce que. Bon, évidemment, Tomanto. Peut utiliser les bombes plutôt que d'essayer d'actionner les petits boutons, mais bon.
qui est tombé dans un trou. Des petits trous, et ça fait vraiment chier. C'est une perte de temps. Voilà, plein de drops de demi-cœur rouge, le clodo qui fait son taf. Ah là, Tomato va vraiment jouer ultra safe. Oui, voilà, c'est dans son intérêt, il a des dégâts qui vont bien. Il a de quoi avoir des cœurs plus que bien. Quand il faut. Effectivement. Il a tout intérêt à prendre son temps. Voilà. Hop. Ah non, la salle de sacrifice, évidemment. Bien sûr que non. D'y aller. Une KT bien relou, bien aberratique, mais il a trouvé son Isaac. Molfrid qui récupère Cérémonial Robe pour avoir des cœurs noirs, pas plus savoir qu'en faire. Une bonne nouvelle. Le combat se passe plutôt bien chez Tomanto. Bon, il se touche un petit peu, mais il a bourré la sac d'ague et ça y est. Ça passe. Ça passe. Il a récupéré un cœur bleu. Et le chest. Et dans le chest, ça y est. C'est Tomanto qui a la lead. Alors, qu'est-ce qu'il a... Alors, le Dendai avec le police, ça peut faire très mal. Ça va faire très très mal, il va monter à plus de 50 de dégâts. Voilà, ça va faire très très mal. Ah, s'il fait attention à ce qu'il fait, il peut faire du one-shot sur quasiment tous les mobs. Bah oui. Oh, la taille des boules, c'est n'importe quoi. Bah, mais ça fait tellement du bien. Molfrid qui a récupéré un Booger Tears entre temps. Mais un Booger Tears avec le Dr. Fetus, ça ne synergise pas. On peut remarquer l'effet du trinket de Tomanto, ça rebondit, c'est joli. Mais il cherche en vain le boss quand même, il tourne en rond. Voilà, et c'est sale de l'angoisse quand même, ça va qu'il a du dégâts parce que... Heureusement qu'il a des dégâts parce que pour éliminer les super envy, c'est loin d'être chose aisée quand on n'a pas beaucoup de DPS. Ah, c'est long, c'est très long. C'est... Bah, c'est... Ça s'en finit plus jamais, quoi. Ah non, c'est pour ça que Edmund McMillan, le créateur du jeu, a dit que les envy sont les pires ennemis du jeu. À juste titre, ça fait chier. C'est ça. Alors, la roue de la thune. On s'en branle. Bah, elle a utilisé pour le Dead Onion. Un Dead Onion. Bah, c'est très bien, ça. Incroyable. Ce pif, oh là là, ces boules. Elles sont très lentes, elles font des dégâts monstrueux. Ah oui, puisque ce sont des bouboules perçantes. C'est ça, des larmes spectrales. Donc du spectral à 60 de tir rate avec une vitesse de tir rate ralentie. Effectivement, c'est très sale. C'est festif. C'est un build parfait. Bah. Pas mal, mais pas parfait. Oh. Pour là où il en est, si. Oui, pour là où il en est, effectivement. Là, il se fait plaisir, là. Il se balade tranquillement. Voilà, le one-shot dans un placard. Mais par contre, à chest des angoisses. C'est long. On a 28 minutes. C'est ça. Est-ce qu'il va prendre le bon côté? C'est toujours pas le Blue Baby pour Toronto, mais ça va bien se passer. Le Fear Shot, le parfum de maman, oui, c'est toujours pas là. Mais c'est quoi ce chest de 150 000 km? Voilà, c'est l'enfer, hein. Ouais, c'est l'enfer du cul. Et c'est dommage pour Molfrid, puisqu'il a eu un très bon Devil Deal dans son Cave Stew, puisque c'était Atame et Move the Void. Ah là là.
Ça y est, Tormento, ah, ça y est, enfin. Tormento qui trouve enfin le boss. Enfin, il n'affronte pas le boss en ce moment non, même, il l'a juste trouvé. Devant Il sa l'a salle trouvé. de boss. Il va lui rester une minute hein, pour le battre. Mais ça va le faire, un coup Oui, je de m'inquiète dague. pas, ça va bourrer la sacrificiale d'ailleurs. Voilà. Il va aussi utiliser, je pense, sa carte impresse pour un peu plus de dégâts normalement. Mais Oh là, là, ça va franchement, tellement Osef, vite. là. La sac d'ag a fait son taf. Et Et c'est ça y fini. est, Tomanto 29 minutes et 15 secondes. a remporté cette race. GG Tomanto. Ils ont bien pris tout le temps imparti quand même. Ils sont allés au bout des choses. Ah, ce fut long. Ce fut très très long. Mais ils sont allés jusqu'au bout. Et du coup, on va aller démute. Allô? 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 Heureux. Bon bah merde. Ah oh, j'ai fait. C'est dommage Molfried. Hein. C'est dommage. Je crois que j'ai fait une petite erreur et je m'en suis rendu compte après. Erreur, j'aurais pas dû prendre le nail. Non, effectivement, c'est inactivable. Ça a enlevé deux cœurs rouges ouais. qui, Ah, je pense, t'aurait fait du bien. Bah, le problème, c'est que j'ai perdu le Polaroid sur un caca arc-en-ciel, quoi. Un caca arc-en-ciel qui a explosé, j'ai perdu mon Polaroid. Merde. Et du coup, c'est la merde. Ouais. Du coup, à partir de là, c'était chiant. La salle des fantômes avant Isaac, c'est ça qui est fatal. Hein. Sinon, derrière. Non, celle-là... Non, sinon, derrière, c'était bien géré. Derrière, j'avais un empereur. Après, il fallait espérer avoir un chest assez correct, mais. Il y avait moyen quoi. Oui, il y avait moyen. Oui, mais le souci, moyen. C'était juste la salle avant. C'est c'était ça. vraiment très Ah, la horrible. salle des fantômes et puis la super secret Ah ouais, la salle avec des fantômes, un trinket. quoi. Ouais. Elle est plus dure là. Hein. Très très dure. C'est dommage. Il y avait moyen. Par contre, et c'est de des ton choses côté, qui arrivent. Tomanto, beaucoup de minutes de reset pour une reine qui cassait quand même bien le cul. Ouais, ça allait. Ouais. Ça manquait un peu de tier rate, mais bon, vu les dégâts, c'était pas trop grave. Voilà. Ouais, il manquait du tier rate, mais bon. Magic Mush, quoi. Magic Mush Holy Light, ça fait le taf, quoi. Ouais, il me manquait des dégâts, hein. Ça arrive. Oui. J'avais le tier rate, hein, j'avais le tier rate max, mais avec chaque Obsador, c'est par cool, contre, mais... tu manquais de vitesse, toi, Malfrid. C'est ça qui me tue sur Isaac. C'est ça qui me fait mourir sur Isaac, c'est que mon manque de vitesse. Je peux pas c'est m'échapper assez vite des halos. C'est ça, exactement. C'est vraiment ça, hein. Sinon, je pense que je pouvais le passer. J'avais assez de dégâts pour pas être trop emmerdé. Moi, je pense que c'était jouable, effectivement. C'est jouable de le passer, même avec la deux lenteur. Cœurs. Quoi, la lenteur. Ouais. Là, j'ai